pouvez faire une première à 5 kilos, et puis après 10 kilos. Une session spéciale d'haltérophilie pour les jeunes pratiquants de Salomine. Mercredi 22 février, ils passaient leur journée entière au complexe sportif Vaillant-Couturier. Le travail portait sur deux exercices particuliers. En haltérophilie, donc, il y a l'arraché et l'épaulé jeté. On appelle ça les deux mouvements techniques. Et à côté de ça, le mouvement est décomposé. C'est ce qu'on appelle les semi-techniques. Donc c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Donc ce sont des travaux partiels sur un fragment du mouvement global. Près de 6 heures d'entraînement pour ces débutants qui découvrent à peine la compétition. De leur côté, les féminines ont, elles, participé le week-end dernier au dernier tour du championnat régional par équipe à Hirson. Elles ont mis la barre haut et finissent à la deuxième place de leur poule. Ça s'est hyper bien passé parce que, si je ne me trompe pas, il y a 4 filles, donc 6 barres par fille, donc sur 24 barres au total, je pense qu'il y a eu 22 ou 23 réussites. Tout le monde a relevé les manches pour justement obtenir ce total qui n'était pas du tout attendu. Chacune a donné le meilleur de soi-même. Marie, Adeline, Laurie et Julie attendent maintenant les résultats des autres régions pour peut-être passer à la Nationale 1. Amélie souhaite, elle, en revanche, se qualifier en solo ce week-end à Lorient pour les championnats de France Master. J'ai déjà fait un peu plus de 95 kilos donc, au total. Donc l'idée, c'est de reproduire. Ça va aller ? Ça va aller. Retour aux garçons avec une question. Tiendront-ils toute une journée ? Ça va être usant, je pense. Parce que nous, on fait de 15h30 à 17h. Donc, 2 heures, c'est vraiment usant. Alors... Là, on va vraiment souffrir. Si vous êtes intéressé par l'haltérophilie, les entraînements à Salomine ont lieu à la salle Vaillant-Couturier les lundis et jeudis soirs, ainsi que les mercredis et samedis après-midi.